pas ton téléphone, s'il te plaît. Thank you. Coucou. Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Facebook. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Il est 11h au Royaume-Uni. Parce que à Paris, il est midi. Mais dès que la PDG est en direct, fais-moi signe, j'arrête mon direct. Si elle est en direct, à tout moment, vous me faites signe, j'arrête mon direct, s'il vous plaît. Bonjour, Force Douane. Bonjour, maman. Bonjour, Agnès Bitek. Bonjour, tout le monde, toute la team PDGiste. Bonjour, tout le monde entier. Bonjour à tout le monde, même ceux qui ne sont pas de la team PDG, bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Oui, bon. D'abord, avant de commencer, j'ai fait mon direct par rapport à certains petits trucs qui se passent sur la toile en ce moment. Et je n'ai pas l'habitude d'indexer les gens. Vous le saviez. Je fais ce direct parce que ce que je vois sur la toile me touche particulièrement. Ça me touche beaucoup, énormément. Oui. Ça me touche énormément parce que j'ai aussi été victime. J'ai été victime de ces actes dans ma vie. Et la victime était qui? Était ma maman. Et quand la victime est ta mère, ça veut dire que toi, tu es victime. Maman était une femme vivante au quartier Ngonsoua à Douala, Cameroun. Mariée à mon papa, Dim fils Bassamba, vivant à Brazzaville, donc femme de Brazzaville. Mais après qu'ils se sont séparés, elle est rentrée en Ngonsoua vivre. Et je vais vous raconter une petite partie de la vie de mon enfance avant d'entrer dans ce que j'ai vraiment envie de dire, quoi. Pour vous voir un peu pourquoi j'ai fait le direct. Tous ceux qui sont là, qui passent le temps à me dire le Medjumba, occupe-toi du Medjumba, fais seulement le Medjumba là. C'est pas seulement, arrêtez de venir me dire, occupe-toi seulement du Medjumba, fais seulement ton concept de Medjumba, Medjumba, Medjumba. Dans la vie, parfois, quand il faut parler, quand tu peux parler aussi, apporter ton point de vue. Pas pour aider les victimes, mais pour aider le monde entier. C'est mieux de parler. Ne disons pas toujours que occupe-toi seulement de ce que tu fais, ton concept, ton concept, ton concept. Ça n'a pas de sens. C'est un peu aujourd'hui que le Medjumba se parle dans les réseaux sociaux. C'est un peu aujourd'hui qu'il y a des réunions de Medjumba. C'est un peu aujourd'hui que les gens valorisent le Medjumba. Je ne suis pas là. Je ne suis pas unique. Je ne suis pas différent de ces personnes qui font des réunions. Je n'ai même pas eu une réunion ici chez moi. Je n'ai même jamais fait une réunion de Medjumba. Donc, c'est grâce à une personne que j'ai commencé, que j'ai été connue, comme je redis encore. Dans le monde entier. Et là, je respecte ça. Donc, s'il y a certaines choses à parler, je dois parler. Même avec... vous savez que ma situation aujourd'hui, ma situation... Donc, en fait, mon état de vie aujourd'hui ne me permet plus de trop bavarder. Hein, parce que vous avez dit que le bavardage, c'est pour ceux qui n'ont pas. Quand tu bavardes trop, c'est que tu es zéro. Donc, comme je me sens aussi dedans, je ne veux plus trop crier sur la toile. Je veux parler posément maintenant là.
même si je n'ai pas trop fréquenté, mais ceux qui ont fréquenté, qui sont intellectuels, les intellos là, ils vont comprendre un peu la façon, mon sens, ils vont analyser ce qu'il veut dire. Mais ceux qui sont aussi dômes comme moi, vont tout dire que quel français bracatateux et tout là, les vrais gens qui parlent le bon français, qui connaissent, qui ont fréquenté, ceux qui sont polis là, comprendront un peu ce que je suis en train de vouloir dire. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, je parle un peu de la vie de ma maman. Dans mon quartier Ngonsoi, maman était une vendeuse de l'ail, Ndiangsang Aïe, Pépé, une vendeuse Bayam Salam au marché central. Aimée par tout le monde au marché central. Aimée par tout le monde au marché central, partout elle était aimée. Mais il y avait un problème d'hypocrisie, Ngomiak. Aimer les gens avec les yeux, pas avec le cœur là. Quand tu aimes, c'est avec les yeux comme ça, mais pas dans ton cœur, l'amour là, il n'y a pas d'amour dans le cœur là, c'est très dangereux. Tous mes amis de Ngonsoi qui sont connectés là diront que ce que j'ai dit c'est la vérité. Maman, on appelait notre maison en Ngonsoi église, l'église. Pourquoi? Parce que maman ne préparait pas pour une seule personne, pour deux personnes, elle préparait pour toute la population. Elle recevait tout le monde, elle ouvrait son cœur à tout le monde, elle partageait ses secrets à tout le monde. Mais en retour, les gens étaient de côté avec elle. Je ne parle pas, je suis pas en train de vouloir parler parce que certains personnes diront que je parle par rapport à ce que j'ai vécu d'abord, hein, parce que c'est mon expérience de vie, hein, avant d'entrer maintenant dans ce que je veux maintenant parler. Hein. Maman était aimée par tout le monde au quartier, mais elle était aussi détestée par ces mêmes gens-là. Première impression, vous venez vers ma mère, vous lui montrez l'amour. Elle ouvre son cœur à vous. Elle vous donne ce que vous voulez. Elle vous aide. Elle prie pour vous. Elle participe à vos, comment on appelle là, à vos réussites dans la vie. Et après, quand vous obtenez ce que vous voulez, elle devient l'ennemi. Elle devient le diable. Elle devient la sorcière du quartier. Elle devient celle qui enlève le cerveau des enfants au quartier. Elle devient tout. J'avais toujours dit à maman que tu es sagittaire, tu as trop un bon cœur. Moi, je suis une cancer. Les cancers ne donnent pas. S'il y a les cancers connectés, vous connaissez. Les cancers ne donnent pas le bon. On n'aime pas aveuglement comme ça. On n'aime pas bêtement. Jamais de la vie. Je suis une cancer et vous avant que ça n'arrive. Maman était victime de beaucoup de choses. Maman était une victime. Perd son âme. Les gens l'ont même promis la mort avant qu'elle ne meure par accident. Pourquoi? Parce que j'avais fait le passeport de ma mère. Ils voulaient inviter ma mère en Europe. Maman a montré le passeport à ces gens au quartier en disant hey, ma fille m'a fait le passeport tout et tout. Parce qu'elle avait un très bon cœur. Elle partageait ses choses avec les gens. Ils ont dit à ma mère que on va voir comment tu vas aller rejoindre ta fille là. Personne ne va plus bouger de ce quartier pour aller en Europe. Et oui. Ma mère pleurait chaque jour. Elle m'appelait Mariama, oh, je ne sais pas ce qu'elle fait aux gens. Je donne l'eau froide aux gens, on me donne l'eau chaude. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens, Mariama? J'ai dit à ma mère que tu fais quoi en Ngonsoi? Tu fais quoi dans ce quartier-là? Je vais prendre la maison à Bonapriso. Je vais prendre la maison à Cité des Palmiers. Tu vas aller rester. Mes tantes sont témoins. Ma mère avait refusé que jamais elle va rester là-bas. Elle était née en Ngonsoi. Elle a ses camarades en Ngonsoi. Elle va rester. Puis quand elle est sortie du mariage, elle est sortie du mariage, quoi. Elle est rentrée chez eux là-bas en Ngonsoi. C'est là-bas que ma mère est restée jusqu'à ce qu'elle est morte. Mais victime de chaque jour, victime des problèmes du quartier. Quand c'était bon, elle partait, elle sortait à 5h du matin pour aller au marché central vendre son lait. Elle rentrait vers 13h, 14h. Tous les problèmes qui se passaient au quartier là-bas, tout ce que les gens faisaient au quartier, manigance, tout et tout là, manipulation, tout et tout là, c'est sur elle qu'on mettait, que c'est elle qui est la cause. Pourtant, elle n'était jamais là. Pourquoi elle n'était jamais là? Elle n'était jamais dans ces problèmes-là. Quand ils voulaient arranger les problèmes au quartier, c'était avec le nom de ma mère. Quand ils voulaient se séparer, c'était avec le nom de ma mère. Quand ils voulaient faire tout, ma mère était toujours au centre de tout. Pourtant, ma mère n'était pour rien du tout. Et j'avais compris qu'il y a certaines personnes qui sont nées comme ça, qui aiment, qui sont ouvertes, qui adorent les gens, mais les gens ne les aiment pas. On va faire comment? La vie est faite ainsi. J'ai compris ça. Une des raisons pour laquelle j'ai suivi ma fausse sur la toile, c'est parce que j'ai vu en elle le comportement de ma maman.
Une femme ouverte, une femme qui donne le cœur aux gens, une femme qui avait les gens avec un seul cœur, une femme qui est seulement là comme ça, mais en retour, les gens ne l'aiment pas. En retour, les gens la poignardent toujours. Je vous dis encore, une des raisons pourquoi je suivais Fleur de Lys sur la toile, parce qu'ils voyaient en cette dame le même caractère que ma feu maman. Même caractère. Elle donne l'eau froide, on lui remet l'eau chaude. Aujourd'hui, elle est accusée à tout à travers. Aujourd'hui, on l'insulte, on parle n'importe quoi sur la toile. Les gens diront que racoleuse d'amitié, elle n'a pas participé à ton deuil, elle n'est pas montée, pas descendue, tu es toujours derrière elle. Maman, je suis toujours derrière elle, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je vois en cette dame les habitudes de ma maman. Femme simple. Voilà pourquoi je suis toujours derrière elle. Et de Dieu, je suis derrière elle aussi parce que, grâce à cette femme, j'ai été connue dans le monde entier. Et grâce à cette femme, ma vie a changé. Voilà pourquoi je suis toujours derrière elle. D'abord, premièrement, mes raisons pour être derrière elle, parce que en elle, je vois les habitudes de ma feu maman. C'est ce lien qui m'attache à Fleur de Lys. Vous allez beau parler, elle ne va jamais comprendre. Elle va tout continuer à faire du bien aux gens. Mais je remercie dire à Fleur de Lys aujourd'hui que ma soeur chérie, je t'aime beaucoup. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais de publicité des gens sur la toile par rapport à toi. C'est fini. Je ne ferai plus jamais de publicité des gens sur la toile par rapport à toi. Si tu sois édition Fleur de Lys, quelque chose de toi-même, que c'est toi qui as créé, je le ferai avec fierté. Je serai très heureuse de le faire. Je le ferai avec fierté, avec amour. Même s'il va falloir passer toute ma vie, même s'il va falloir passer chaque chose de ma vie pour valoriser tes produits à toi, que c'est toi-même qui as créé, que c'est toi-même tes choses, je le ferai. Sans réfléchir. Parce que tu es une femme très vraie. Mais si c'est encore que les gens te prennent pour contrat et qu'il va falloir que je fasse des publicités des gens, je bavarde et bavarde, je ouin des huiles sur mes doigts. Des huiles, après ça me donne les colocoles aux doigts. Les huiles sur mes doigts, je ouvre les huiles, je me fous de ces huiles sur les doigts chaque fois. Je fous parce qu'elle veut te faire plaisir. Parce qu'elle veut passer. Je dis non. C'est la patronne de la team pédagogiste. C'est le neuf de Facebook. C'est elle qui m'a fait ce que je suis devenu là. Je lui dois quelque chose. Tu dois faire ça pour elle. Je ne ferai plus jamais. J'ai dit ça, Rora. Et ceux qui veulent me clasher par rapport à ça, clashez-moi. Je ne suis plus dedans. J'ai reçu une vidéo ce matin. Je n'ai même pas prononcé le nom de cette dame qui est au Royaume-Uni avec moi. Mais je n'ai pas peur d'elle. Je ne veux pas lui donner le plaisir de prononcer son nom. Vous n'avez pas honte, madame? Vous n'avez pas honte pour tout ce que vous avez raconté sur cette femme qui vous a fait... Vous n'avez pas honte? You don't have a shame. What the hell is that? What is going on? Vous n'avez pas honte, mademoiselle? Vous n'avez pas honte de vous asseoir sur la toile et raconter toutes ces banalités, toutes ces sottises, toutes ces conneries? C'est une personne qui vous a donné, qui a ouvert le cœur, que vous avez suivi pendant des années, pendant des mois, qu'elle fasse une publicité pour vous et qu'un jour elle voit un inbox, elle décide de vous choisir. Comme c'est qu'elle va aussi, lancer tout et tout. Et je vais vous raconter quoi? Qu'elle est quoi? Avant de venir derrière, et vous ne savez pas tout ce qu'elle était avant de venir. Vous ne voyez pas cette directe. Vous ne la regardez pas, ma chérie. Vous la traitez de quoi aujourd'hui? Quelle est comment? Vous n'avez pas honte? Je dis et je répète. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si je ne clash pas sur la toile, parce que je n'ai pas envie de salir mon image. Je ne clash pas. C'est pas que je suis une très bonne personne, hein. Moi-même, j'ai de la bouche, comme tout le monde. Mais j'ai juste envie de... Je n'ai pas envie de salir cette image en moi. Parce que je suis entrée dans Facebook avec la joie. Et j'ai promis de ressortir avec la joie. Vous êtes levé à insulter ma maman, parler de mon enfant handicapé. Donc, il n'y a plus rien que vous allez faire. Parce que je serai prête pour recevoir, donc pour vous donner... Je serai prête pour vous donner plus de détails de ma vie. Parce que je suis une fille que je ne cache rien de ma vie. Oui, oui, oui.
Je suis une petite fille à l'âge de 20 ans, comme je redis encore, que j'ai souffert, travaillé, la sueur de mes fesses et de mes mains pour arriver en Europe. Restaurant La Cigale à Bonanjor. Vous avez donné le lieu où je travaillais là. Donc personne ne m'a amené ici. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand je ne clash pas, c'est parce que je n'ai pas envie de salir mon image. Ça, c'est quelle bêtise. Ça, c'est quelle honte de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? What is going on? What is it? Quelqu'un vous ouvre les portes. Vous pouvez me rembourser mes 120 livres que j'ai dépensés l'autre jour pour passer une commande. Vous connaissez combien de fois j'ai mangé le tapioca ici à la maison avec le sucre à cause de 120 livres que j'ai acheté vos produits à Londres là-bas. Vous pouvez me rembourser cet argent-là. Même mes produits de Ndjang, ça ne coûte pas 120 livres. Mes produits que je mets sur moi, mon huile que je mets sur moi, ça ne coûte pas 120 livres. Jamais de la vie. Ça ne coûte même pas 20 livres. Je sors mes 120 livres. Hé, Womo, 120 pounds pour soutenir une grande sœur. Pour soutenir une grande sœur qui est en train de représenter une marque. Dont avait fierté. Parce que c'était pour moi l'occasion de lui montrer que non, je suis avec toi jusqu'à la gare. Aujourd'hui que vous êtes bien, aujourd'hui que vous avez déjà fait, aujourd'hui vous, avez, vous racontez quoi sur elle? Quelle est qui? Quelle est comment? Vous dites que vous avez des vérités à sortir sur elle? Vous croyez que c'est que les gens sortent depuis des années là? Ça a fait quoi à qui? Ça a changé quoi? Vous voyez que ça ne change pas l'amour que les gens lui donnent. Ça ne change pas l'amour que les gens lui apportent chaque jour. Ça ne va jamais rien changer. Au contraire, vous allez toujours courir dans le sac, comme je ne ferai le répéter. Jusqu'au jour où vous allez comprendre. Jusqu'à l'année que vous allez comprendre que vous couriez seulement dans le sac toute votre vie. Elle est incombattable. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir à elle-même. Ou bien pour chercher l'amitié avec elle. Parce que je ne vis pas dans un même pays avec elle d'abord. Je suis au Royaume-Unis. Elle est en France là-bas. Donc elle et moi, on n'aime rien. Comme amitié, on ne se voit même pas. Mais on va se voir peut-être une fois par an, si peut-être on se rencontre dans des soirées. Donc ce n'est pas l'amitié. Ou bien la quoi que je cherche. Jamais de la vie. Parce que c'est pour le nom. C'est pourquoi j'ai déjà eu ça. Elle me l'a donné. Elle me l'a donné sans cadeau. Elle me l'a donné sans que je ne clash personne. Mais comme je dis, cette dame représente ma maman pour moi. Parce qu'en cette dame, je vois ma mère, je vois le caractère de ma mère. Ce qui donne, comme on dit chez nous en Baranté, ce qui donne l'eau froide aux gens, on le verse l'eau chaude au corps. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct-là. Et ce qui concerne le Medimba le week-end, il n'y aura pas de Medimba le week-end. Parce que je suis touchée. Je ne veux pas pleurer. J'ai dit je ne veux plus pleurer sur la toile. Je ne veux plus pleurnicher sur la toile. Il n'y aura pas de Medimba tout le week-end. Peut-être même la semaine prochaine, il n'y aura pas de Medimba. Je ne veux pas parler ma langue toute la semaine même. Jamais. Parce que je suis touchée. Je suis poignardée. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Madame, vous là, qui à Londres là, ce n'est pas cette femme que vous avez dit devant tout le monde entier que vous connaissez sa vie. Vous connaissez sa vie. Que tout ce que les gens diront, c'est leur problème là-bas. Que vous êtes avec elle jusqu'à la gare. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas par hasard vous le diable? Est-ce que ce n'est pas par hasard vous le diable même en personne? Qui connaît qui est le diable aujourd'hui? You never know. Maybe you are the devil. Parce que the light, comme je dis encore, the light and the darkness, they don't work together. Le jour et la nuit ne marchent pas ensemble. Quelle qu'en soit la durée, la vérité finit par sortir. Si vous êtes venu en diable derrière elle, vous ne pouvez pas rester. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser à ce niveau-ci là, maintenant. Mais je sais qu'après ce direct-ci là, les gens viendront encore m'attaquer plus. Mais soyez-en sûrs, comme je vous ai dit et je vous redis encore, je ne vais jamais gâter mon énergie ou bien mon image.
pour vous insulter sur la toile ou bien pour clasher les gens. Et je redis encore, cette femme que je suis avec sur la, dans les réseaux sociaux, je suis derrière elle parce que cette dame, je vois ma maman en cette dame. Si vous n'êtes pas contente, ne venez plus jamais m'appeler, ne m'appelez plus jamais. Et ne compatisez, on dit compatisez plus, ou bien c'est compatisez, ne venez plus, ne me supportez plus dans mes directs ou dans mes trucs sur la toile, ne me supportez plus. Si vous n'êtes pas content de ce que j'avais dit, ce que j'ai dit maintenant là, vous là qui me suivez, soit mes amis, que ce soit mes gens de tout le quartier coin du monde, ne venez plus vers moi. Je dis ce que je ressens. Je ne dis pas ça pour faire plaisir aux gens. Ah bah où là maman? Une personne sur 1000 personnes. Vous ne voyez pas rien, un truc qui ne va pas. Une personne toujours sur 1000 personnes combat. Vous combattez une personne. 1000 personnes combattent une personne. Something's going on somewhere. C'est vous qui n'êtes pas vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai redit encore à la Galatique dernièrement, dans le dieu de la Galatique, que les abeilles, j'ai pas peur des abeilles. Hein, parce que si les abeilles me provoquent, je vais seulement fermer ma page, je vais seulement me désactiver. J'ouvre notre compte, restez-moi tranquille. Je suis pas obligé de fonctionner avec une galloise. Mais les abeilles sont les gens qui voient souvent que ça n'arrive. Et les abeilles sont là pour leur reine-mère. Et je dis... Ne dis plus aux abeilles que arrêtez, arrêtez. Parce que les abeilles, quand il y a une nouvelle série, les abeilles laissent l'autre réchauffer, ils attaquent une nouvelle série. Ça, c'est le travail des abeilles sur la toile. Et les abeilles sont sur la toile pour leur reine-mère, pas pour d'autres personnes. Peut-être ceux qui sont aux alentours de leur reine-mère, ils compatissent pas à leur douleur, parfois à leur supportant, ce qui est très normal. Et je vous félicite pour ça. Mais ne dites jamais qu'elle a peur des abeilles. Marame Bortua, je n'ai pas peur des abeilles. Parce que quand c'est mauvais, tu te désactives, non? Tu pars, ils vont encore te voir où? Si vous avez accepté d'être personnel public, vous exposez, assumez. Assumez. Si tu as accepté d'être personnel public, assume seulement. Si ça te dépasse, tu fuis. L'abeille viendra toquer ta porte pour dire que sors de la maison, là, viens combattre. Ils ne vont jamais venir chez toi. C'est seulement sur Facebook. D'arrêter de dire, elle a peur des abeilles. Voilà pourquoi elle fait comme ça. Elle a peur. Mais vous combattez dans le vide avec les abeilles. En tout cas, moi, je ne fais plus ce genre de trucs-là. Que ce soit avec les abeilles, que ce soit avec les quoi-quoi-là, que ce soit avec n'importe qui sur la toile. Je ne suis pas sur la toile pour ça. Et vous, qui venez de la morale aux gens chaque fois dans leur direct. Non, la galloise, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es hypocrite. Oh, tu es fausse. Oh, celle-là aussi a fait comme ça. Il faut aussi voir tout là. Vous-même, vous n'êtes pas bien. Quand quelqu'un reste dans vos maisons deux, trois jours avec vous, on va connaître quel genre de personne vous êtes. Votre vie est tellement bien. Vous venez donner les conseils, vous avez des bonnes vies. Vous venez faire des jugements sur la toile. Vous êtes bien. Vous vous regardez même d'abord. Ah bah où là maman? Ah bah que l'a dit? Vous vous regardez même d'abord bien. Avant de venir conseiller les gens. Je dis ce que je ressens aujourd'hui. Personne m'a demandé de faire le direct ici là. Je devais faire mon Medimba, je ne fais plus le Medimba le week-end là. Parce que j'ai mal au cœur. Quelle déception. Et mes 120 euros, 120 livres là, il faut me rembourser mes 120 livres rapidement. Hein. Il faut me rembourser parce que mes enfants ne mangent pas bien depuis que j'ai payé 120 livres pour lui là. Mes enfants ne nyama plus bien ici. Depuis que j'ai payé les 120 livres là, je n'arrive même pas à manger encore bien à la maison. Pardon. Elle a un cambalor là, maman. Une personne met le cœur sur vous. Elle vous fait monter. Elle est derrière vous. Elle fait vos... Aujourd'hui, vous trouvez que c'est... Elle est le diable. Elle est comme ça, comme ça. C'est la même chose que ma maman vivait au Cameroun là-bas. C'est la même chose que ma feu maman. Et vous direz quoi? Il ne faut pas comparer, tu sais quoi, avec ta maman. Je dois comparer maman parce que nous sommes tous des êtres humains. Maman était un être humain. Avant de mourir, elle était un être humain. C'est ce qu'elle vivait. Maman avait fait qu'aux gens ne vont soi. Qu'est-ce que maman avait fait? Que n'importe quel problème au quartier, c'est ma mère qu'on mettait dedans. N'importe quel problème qui était au quartier, c'est ma mère. C'était ma mère qui était la cause du problème. Pourtant, ma mère était là. Vous connaissez combien de temps ma mère a pleuré au téléphone avant de mourir avec moi?
que j'achetais mes cartes chaque fois pour consoler ma maman, que maman Kobeni croit. Oh, tsumto kati là, oh, tsumto kati là, vous connaissez ce que j'ai vécu? Ce que Flore de Lille est en train de vivre, c'est la même chose que ma maman a vécu. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, la Galloise, je suis derrière elle. Donc ne vous fatiguez plus. Devenu dans mes inbox, me dit que quitte derrière elle. Parce que c'est vous qui allez quitter derrière elle, pas moi. Continuez à dire que nous sommes des quoi, nous sommes des sorciers, nous sommes, il n'y a pas de problème. J'assume tout ça. Je suis dedans jusqu'à la gare. Pas pour faire plaisir à vous, d'abord pour faire plaisir à moi. D'abord parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas, ou je suis in, ou je ne suis pas in. Je ne suis pas une koromiak. Celle qui aime avec les yeux, pas avec le cœur. Jamais de la vie. Que chacun s'occupe de sa vie dans les réseaux sociaux. Et laisse les autres tranquilles. Arrêtez de l'embêter. Arrêtez de faire des accusations sur elle dans le vide. Arrêtez ça. On en a marre. Venez me dire, elle n'a pas supporté quand mon oncle est mort. Elle n'a pas supporté comme ça. C'est elle qui avait tué mon oncle. Vous n'êtes pas venu supporter. Vous voulez qu'elle fasse des directs que c'est quoi? Que c'était la fin du monde. Elle n'a pas supporté. Elle n'a pas fait comme ça. Elle n'a pas fait le post. Et puis, ça fait quoi? Je me suis plaint par rapport à ça. Je me suis plaint par rapport à ça. On ne connaît même pas finalement de quel côté vous êtes même. Remboursez-moi mes 120 livres. Et bon, il y a 120 livres, mandoundou. Pardon. Remboursez parce que tant que je mange pour le McDo depuis que j'ai payé de les 120 livres là pour le produit de Kabasi d'un camp produit là. Aujourd'hui. 120 livres. Comme ça là pour l'huile. Avec un gras, t'es bon pour moi, on le fait. Vous connaissez comment, combien d'irritations ma main s'est devenue par rapport à ça. L'irritation, la main s'est eue. Que je ne bois pas. Vous connaissez combien de personnes sont pleines. Hein? Que l'huile est trop coagulée dedans, que ça ne sort pas. Que j'ai dit aux gens, pardon, laissez ça. Pardon, maman, laissez. Vous connaissez combien de personnes m'ont appelé à Londres. Parce que la gueule, c'est quoi? C'est ce que j'ai dû qu'on achète comme ça. Et j'ai dit, pardon, laissez comme ça, maman, me laptezine, laissez. Pardon, maman, laissez. Hein? Que laisser, maman ne parle pas, ne parle pas. Tu sais que c'est l'autre qui est, c'est elle qui est derrière ça. Tu sais que c'est comme ça, ouais, ne parle pas, ne parle pas. On va seulement la supporter, pardon. Sans même faire la publicité. J'ai même ma photo où le soleil m'a bien fait briller. Que j'ai eu le concours du soleil. Que le soleil m'a éclaté la peau. Ça, c'est qu'il a ouvert la bouche là. Comme une personne est en train de faire la chose. Je mets ça à côté que c'est lui là qui m'a fait briller comme ça. Pourtant, c'est le soleil qui a dû contribuer à mon éclat de peau. Tout ça, toujours. Vous connaissez combien de personnes j'ai fait, ils ont acheté cette tuile à Londres. Combien de personnes à Bruxelles, partout, qui ont acheté derrière moi. Mes frères et sœurs, excusez-moi, hein, si vous avez acheté. Quand il faut supporter, on supporte. On en a marre de ça. Mafo, Flore de Lille. Si tu me suis très bien, ma sœur, ma compatriote. Si tu me suis très bien, ça serait la première, la dernière fois, avec tout le respect que je dois, que je vais encore faire un direct. Que tu as représenté une marque, ou bien tu as représenté quoi. Je commence à m'exhiber, ou bien c'est à m'exciter sur la toile pour faire la publicité de la marque par rapport à toi. Maintenant, crée ta part de marque. Crée ta marque maintenant aujourd'hui là. Moi, je vais monter de ça avec ça. Je vais marcher dans tout Cardiff, l'Angleterre, Londres, partout là, everywhere. Pour faire ta publicité, ta promotion avec fierté. Crée ta part de marque. Parce que tu prends les marques des gens, whatever, après demain, là, on commence à te ridiculiser. Peut-être que ça ne blesse pas certaines personnes, mais d'autres, ça tue certaines personnes. Donc, ça... Hey! Ah ben, oula, mon Jean. Quand c'est bon, elle est comme ça. Quand c'est mauvais, vous devez partir dire que celle-là qui est en Angleterre, elle est très bête. Elle est très bête. Une femme barantée qui est belle n'est pas digne d'une femme barantée. Vous connaissez... Les vraies femmes barantées mais ne viennent pas sur la toile. Hein. Les vraies femmes barantées même, je vous dis la vérité, les vraies femmes d'une dé même. Quand on dit les nobles, les femmes nobles de mon village, elles viennent, vous n'allez jamais les voir venir se poser pour faire les directs. Jamais de la vie. Les femmes barantées qui font le direct, c'est les femmes qui ont dit à Kuala Women. C'est les femmes qui ont dit à faire le Jacques ou à Zuandron qui s'embrouillent dans la vie. En commençant par moi d'abord, la première. Elles sont en bruit parce que maintenant, elles prennent seulement les directs maintenant pour thérapie, comme moi, par rapport aux problèmes que j'ai eu dans ma vie. Que je suis maintenant là pour faire prendre les directs, même pour thérapie, lire les gens, ça me fait du bien, tout et tout. Maman, les vraies femmes d'une dé contre les femmes nobles, nobles d'unité élégante, ne viendront jamais
sur la toile. Parler de leur vie, ou bien montrer leur vie, ou bien chercher les problèmes, jamais de la vie. Les femmes du nez, s'il vous plaît. Un peu de respect. Parce que j'ai même écrit que racoleuse d'amis, racoleuse. Maman, je suis racoleuse. Vous ne connaissez pas que c'est cette dame. C'est en chantant la chanson de Ton Chalon Chouanque que vous êtes jolie, vous êtes jolie, vous êtes jolie. Que c'est ça, cette dame m'a sollicité. Parce que j'avais calmé son cœur le jour-là. Je suis entrée dans sa team. Avec fierté d'abord, d'ailleurs. Et j'ai même refusé de PDG parce que PDG, ça ne me convient pas. Quand on te met PDG, quand tu es une tétée, quand tu es le Jacques, tu es vraiment, quand on te met PDG, tu en es sûr que non, tu vas vraiment, tu es compétente. On met pas se lever, on met les frites au PDG. Je dis que pardon, laissez-moi à ma place de Ringaloise, ça me suffit comme ça, pardon. PDG, là, je ne peux pas. Je ne peux pas porter le sac de PDG. Pardon, laissez-moi au niveau de Ringaloise. Je suis restée comme ça, comme je suis là. Maman, quittez derrière elle. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Allez dire, allez raconter, insultez-moi, insultez mon enfant qui a l'autisme. Il n'y a pas de problème. C'est ma vie, j'ai choisi cette vie-là. Avant de venir sur la toile, avant d'accoucher mon enfant, j'étais une fille qui travaillait dans des restaurants. J'étais une fille qui montait, qui descendait. Donc, je suis une fille déjà qui a déjà une vie bizarre avant. Je ne vais pas parler de cette vie beaucoup parce que ça n'aide pas la jeunesse camerounaise. Donc, avant de venir sur la toile, je savais ce qui m'attendait. J'ai été fragile dès le départ, mais grâce à vous, j'ai durci. Vous n'allez plus jamais voir mes larmes, jamais. Ça me dépasse, je me désactive. Une nuit que je tape, j'ai tapé. Vous connaissez le creux que lui a fait sur mon doigt. Mes doigts étaient quand même jolis avant. J'ai tapé, lui a tapé. Aïe, j'ai tapé, ça me fait encore plus mal. J'ai tapé. Pour sortir ces mêmes petites gouttes comme ça là. Je tape. Je parle. Hey, me manquait plus du respect comme ça. Bah, où l'on mange. Parce que même mes doigts sont même déformés. Avant, j'avais les mains jolies. Vous tous, quand vous avez ce que vous voulez là, on voit maintenant vos vrais visages. On voit vos vrais visages. Pardon. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On ne connaît plus qui est qui. On ne connaît plus qui est avec qui. Moi, je suis une personne qui était victime. Ma maman était victime de ça. Sabotage, chaque jour au quartier. Donc, je suis habituée à ça. On est fatigué. Mafo est en direct. Mafo est en direct. On va dans le direct de Mafo. Bisous à vous. Bonne journée. Insultez-moi, il n'y a pas de problème. Ah bah, oula, dis maman.